Dans cette vidéo, nous allons étudier les séries arithmétiques. Une série arithmétique est une somme de n termes dans une suite arithmétique. Par exemple, S4 est la somme des quatre premiers termes. Il y a deux versions de l'équation pour la somme d'une série arithmétique et l'équation que vous allez choisir va dépendre sur les informations que vous avez. Comme d'habitude, n représente le nombre de termes, t1 est le premier terme, tn est le terme n, et d représente la différence commune. Comme premier exemple, nous allons déterminer la somme des premiers 100 termes pour la série 2 plus 5 plus 8 et ainsi de suite. Donc ici, nous ne pouvons pas utiliser la première équation parce que nous n'avons pas la terme à la position 100. Donc nous allons prendre la deuxième équation et pour commencer, je vais l'écrire ici. Maintenant, je peux remplacer les valeurs connues. On cherche la somme. De 100 termes, donc S100 et 100 ici aussi. Le premier terme est donné, c'est 2. Une fois de plus, nous avons 100 termes. Et la différence commune, on peut la trouver en regardant à la série. On fait des sauts de 3 à chaque fois. Donc maintenant, il faut utiliser l'algèbre pour résoudre cette équation. Premièrement, je remarque qu'il y a une division que je peux faire. 100 divisé par 2 donne 50 et ça élimine la fraction. Je peux aussi simplifier à l'intérieur des parenthèses. 2 fois 2 donne 4 et 100 moins 1 donne 99. Si je continue, 99 fois 3 donne 297. Et bien sûr, 4 plus 297 donne 301. Donc maintenant, il faut simplement multiplier 50 par 301. Et quand on le fait, le résultat est 50 050. Donc autrement dit, la somme des premiers 100 termes dans cette série est de 15 050. Dans notre prochain exemple, nous voulons trouver la somme de cette série ici. Avec l'information que nous avons jusqu'à maintenant, on ne peut pas utiliser l'équation numéro 1 ni l'équation numéro 2. Ce qui manque, c'est le nombre de termes. Donc, ici, on va ajouter par 4 jusqu'à temps qu'on cherche 50. Et donc, maintenant, on peut compter combien de termes que nous aurons en total. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, on cherche la somme de 12 termes. Donc maintenant, j'ai le premier terme, j'ai le dernier terme et j'ai le nombre de termes. Donc, je vais utiliser la première équation. Maintenant, je peux remplacer N est 12, le premier terme est 6. Et le dernier terme est 50. Tout de suite, je peux faire une division. 12 divisé par 2 donne 6. Et 6 plus 50 donne 56. Donc, je dois simplement faire la multiplication pour déterminer la somme de ces 12 termes-là. 6 fois 56 donne 336. Et dans ce dernier exemple, dans cette vidéo, nous avons une série arithmétique qui a une somme des 20 premiers termes de 143 et une différence commune de 1 sur 3. Notre but est de déterminer les valeurs des trois premiers termes. Donc ici, nous n'avons pas la valeur du dernier terme, donc il faudra utiliser la deuxième équation. Et maintenant, je peux remplacer les valeurs. Sn est équivalent à S20. Je vais la remplacer une fois de plus dans un instant. On a 20 termes, donc n égale 20. T1, on ne la connaît pas, donc ça, c'est ce qu'on va isoler. Une fois de plus, n est égal à 20. Et la différence commune D est 1 sur 3. Une autre chose que je peux faire, S20, c'est donné, c'est égal à 143. Donc maintenant, je dois isoler pour T1. Premièrement, je peux faire des simplifications. 20 divisé par 2 donne 10. Et aussi, à l'intérieur des parenthèses, 2T1. Et 20 moins 1 donne 19, multiplié par 1 sur 3. D'accord. Donc, si je prends ça et je le transfère, 19 fois 1 sur 3 est équivalent à 19 sur 3. Une autre chose que je peux faire, je peux diviser les deux côtés par 10. Et donc, si je le fais, d'une côté, je vais avoir 14,3. Et de l'autre côté, le facteur de 10 va disparaître. Maintenant, je vais transférer le 19 sur 3 de l'autre côté de l'équation, où ça deviendrait un négatif. Et ça, c'est donc égal à 2 fois T1. Mais je ne veux pas 2 fois T1, je veux tout simplement T1. Donc, je vais diviser les deux côtés par 2. Et donc, ça, c'est l'équation que je vais entrer dans ma calculatrice. Assurez-vous que vous avez bien placé les parenthèses et les signes de division. Et si on le fait correctement pour T1, nous allons obtenir une valeur de 239 sur 60. Maintenant, nous sommes à mesure de trouver T2 et T3. Il faut simplement ajouter la différence commune, donc 1 sur 3. T2 va donner 259 sur 60 et maintenant on voit la régularité, le numérateur augmente par 20, donc la valeur du troisième terme va être 279 sur 60.